nous avons dit que la personne qui est intelligente, l'intelligent c'est qui? C'est celui qui force son âme à suivre l'obéissance d'Allah et à s'écarter des interdits d'Allah avant la mort. C'est celui-là, l'intelligent, c'est celui-là le malin. Pourquoi? Parce que nous savons que cette vie d'ici-bas, c'est une vie mahdouda. C'est une vie qui est limitée. N'est-ce pas? Quel que soit ce que tu vas avoir dans cette vie d'ici-bas, quel que soit ce que tu vas obtenir, sache que à partir de 60 ans, 70 ans, 80, 90, celui qui a eu ça, c'est la grâce d'Allah. Mais ceux qui ont été enterrés dans la tombe depuis avant 1000, avant l'an 1000, même avant l'ère chrétienne, l'ère grégorienne, dont on a la date aujourd'hui, 2022, sont toujours dans la tombe. N'est-ce pas? Ils ont duré dans la tombe plus que sur la terre. C'est très important, chers musulmans, de savoir que le plus malin, c'est celui qui cherche à préparer là où il va plus durer que là où il ne va pas plus durer. C'est comme ça la vie. Arasus Frère, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, Kun fi dunya, ka'annaka khari. Il dit, sois dans la dunya comme si tu es un étranger. Ou abil sabil. Ou bien, celui qui, c'est-à-dire le passant. Regardez, celui qui est un étranger, celui qui est le passant, lorsque tu passes, tu voyages, tu vas à Zopé. C'est un exemple que je donne. Et tu passes, tu viens te reposer dans notre quartier ici. Est-ce que tu vas chercher à construire ici? Ou bien tu passes? Donc c'est l'exemple que le messager d'Allah nous donne. Donc le plus malin, c'est celui qui prépare sa vie de l'au-delà. Qui a khalidina fiha abada. La vie où tu vas vivre éternellement, c'est cette vie qu'il cherche à préparer. Parce que lorsque ceux qui vont entrer en enfer, ils vont entrer en enfer, Allah Zawajal va leur dire, Summa la yamutu fiha wala yahya. Ils ne vont pas vivre et ils ne vont pas mourir. C'est-à-dire, كُلَّمَا نَذِجَ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقَ الْعَذَابَ. Chaque fois qu'ils seront brûlés, leurs peaux vont brûler. Allah va changer par une autre peau pour qu'ils encore ils goûtent le châtiment. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mourir. Des milliards d'années, ils sont dans l'enfer. Celui qui est malin, c'est ça qu'il cherche à préparer. Mais celui qui est incapable, c'est lui qui suit ce que son âme aime. Il suit son âme. Alors que l'âme, comme Allah dit dans le Coran, il dit « Inna nafsa la ammara bisou » Il dit « L'âme incite au mal. » Allah Zawajal nous accorde la compréhension. Donc le plus malin, c'est celui-là qui cherche à préparer son au-delà. Qu'Allah Zawajal fasse que nous soyons parmi ces malins. Ensuite, Allah dit dans le Coran, il dit, oh, vous qui avez cru, craignez Allah, et que chacun regarde ce qu'il a préparé pour son propre âme, le jour de Yom Al-Qiyam. Qu'est-ce qu'on a préparé? Qu'Allah fasse qu'on prépare ce qui est mieux pour nous-mêmes. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination !